bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la fleur africaine. Donc, c'est un hexagone. On en a déjà fait un sur la chaîne qui était différent pour faire un sac. Là, je vais m'utiliser de celui-ci pour en faire un autre de sac. Et celui-ci, je l'utiliserai pour faire tout autre chose. Donc, sûrement un amigurumi avec cette fleur africaine. Donc, j'en ai vu plein et ça m'a donné très envie d'en réaliser un avec. Donc, vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Moi, j'ai utilisé des pelotes aquarelles pour pouvoir les réaliser. Et j'ai pris donc les pelotes aquarelles, c'est du 2,5-3,5. J'ai utilisé un 2,5 pour crocheter avec, puisque celui-ci va être pour un amigurumi. Si vous voulez faire un sac comme celui-ci, vous voyez qu'il est un peu plus large. J'ai voulu que le sac soit un peu plus, on va dire, moins serré, moins rigide. J'ai utilisé du coup un 3,5, donc celui-ci, un 3,5. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus grand, donc j'ai utilisé une taille de plus. Voilà, ça dépend ce que vous allez faire avec. Donc il vous faudra un crochet, un ciseau pour couper le fil et c'est tout, une aiguille pour cacher le fil également. Et ça sera tout. Donc sur ce, on peut commencer le tutoriel. Pour commencer notre fleur africaine, on va venir commencer par faire un cercle magique. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. À l'intérieur du cercle, je vais faire une bride. 1. Et deux passages. Les 3 mailles en l'air équivaut à une bride, donc ça veut dire que j'ai pour l'instant 2 brides. Et ce petit paquet de 2 brides, il va falloir le faire 6 fois. Il va falloir avoir 6 petits paquets de 2 brides séparés d'une maille en l'air. Donc là j'en ai un, j'en fais un deuxième. Une maille en l'air. Un troisième une maille en l'air, un quatrième une maille en l'air, un cinquième. Une maille en l'air et un sixième. Je vais terminer par une maille en l'air pour bien séparer mes paquets d'une maille en l'air. Je ferme mon cercle magique et je viens me raccrocher à ma troisième maille en l'air de départ. Par une maille coulée. Je viens faire une maille en l'air et maintenant je vais changer de fil. Donc je vais couper le fil jaune et prendre le prochain. Maintenant j'ai pris mon fil de couleur noire. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Et on va se mettre entre nos petits paquets. Donc vous voyez, là on a ceux de départ. Moi je vais venir un peu plus loin pour pouvoir cacher mes fils. Donc là, il y a une maille en l'air. Je viens piquer donc bien entre mes petits paquets. Donc là, il y a la maille en l'air juste en dessous. Et je viens chercher mon fil. Et je m'accroche. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. Et dans ce trou, on va répéter toujours la même chose. On va faire une deuxième bride. Donc puisque nos 3 mailles en l'air équivaut à une bride. 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc ça c'est le paquet qu'il faudra faire dans chacun des trous d'une maille en l'air. Ensuite on va séparer nos paquets par une maille en l'air. Dans le prochain trou je recommence 2 brides.
deux mailles en l'air et deux brides. Une maille en l'air et je refais la même chose dans le prochain trou. Voilà, j'ai terminé. Au total, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, séparées à chaque fois d'une maille en l'air. Ici, je viens faire ma dernière maille en l'air pour séparer mes deux paquets. Je viens dans la troisième des mailles en l'air de départ. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Je coupe mon fil et je passe au fil suivant. Voilà, j'ai pris mon fil de couleur rouge. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Et maintenant, je vais venir m'accrocher sur le trou de deux mailles en l'air. Donc, entre nos deux brides, là où il y a nos deux mailles en l'air. Hop, je vais à l'intérieur. Je viens chercher mon fil. Je l'accroche et je viens refaire trois mailles en l'air. À l'intérieur de ce trou, je vais faire au total 7 brides. Puisqu'on a déjà nos 3 mailles en l'air, dans ce trou, je vais faire 6 autres brides. Donc, ici, on a nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 4, 5 et encore 2, 6 et 7. Donc au total, j'ai 7 brides en comptant les 3 mailles en l'air. Dans le prochain trou, je viens directement dedans, pas de maille en l'air entre et je refais mes 7 brides. Donc dans chacun des trous, on va faire 7 brides. 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, j'ai terminé. J'ai tous mes petits paquets de... Donc au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 7 brides. Je vais me raccrocher donc comme les autres fois à ma troisième maille en l'air de départ par une maille coulée, une maille en l'air pour fermer mon travail et je coupe. Ensuite, je vais venir prendre mon prochain fil. Donc pour moi, ça sera le bleu turquoise. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est me rattacher donc sur une maille en l'air. Alors, sur une bride. Je fais ça pour pouvoir cacher le fil ensuite. Je trouve ça beaucoup plus simple. Donc, moi, je vais venir ici. Je fais une maille coulée. Une maille en l'air de départ. Et ensuite, je vais faire... Donc, la maille en l'air équivaut à... une maille serrée. Donc il y a une maille serrée sur chacune des brides. Donc au total on fait 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 6. Avec la maille en l'air, ça nous fait 7. Je fais un jeté et là je vais venir dans la maille en l'air de ce que j'ai fait avec mon noir. Donc sur le rang précédent, là on a notre rang qu'on vient de faire. Sur celui d'avant, il y avait une maille en l'air entre nos paquets. On vient piquer ici, on ressort notre fil et on vient faire une bride. Faites attention de ne pas louper la maille ici qui est cachée un peu par notre bride. Et on fait bien 7 mailles serrées. On arrive à notre fin de rang. Je viens faire
une bride dans l'espace d'une maille en l'air. Là, nous avons nos trois mailles en l'air de départ du rang d'avant, donc une maille serrée dedans. Et au total, je vais revenir faire 7 mailles serrées. Et donc, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin. Voilà, j'arrive à la fin. Maintenant, je viens dans ma maille en l'air de départ et je fais une maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Alors ça, à chaque fois, c'est si vous changez de couleur à chaque fois comme moi. Mais si vous ne changez pas de couleur, bien évidemment, vous pouvez continuer avec votre fil. Donc moi, pour ma part, je vais terminer avec du blanc. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Et je vais venir sur une bride. Je vais m'accrocher. Trois mailles en l'air. Hop. Et maintenant, je vais faire... Hop. Donc j'en ai 2, 3 et 4. Là on arrive à peu près au milieu de notre pétale, on va dire. Et je vais faire donc le coin. Pour ce faire, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Donc ici on a la moitié à peu près d'un côté et le coin. Maintenant, on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De nouveau, on arrive au milieu de notre pétale et on vient faire un coin. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Et ça, je vais le répéter jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Ici, on fera un coin et on terminera notre rang en bride, notre côté. J'ai terminé, j'ai terminé par 3 brides après mon coin et maintenant je vais me raccrocher à ma troisième maille en l'air de départ par une maille coulée, une maille en l'air pour bien faire finir mon travail et je coupe. Et nous avons terminé pour cet hexagone. Voilà, il est très simple à faire. Et très joli, moi je l'aime beaucoup. À vous de varier les couleurs et de faire celui qui vous correspond. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir et je vous réponds quasiment à chaque fois. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur notre Instagram, les petites boules, où je mettrai des photos de cet hexagone et des projets que je vais réaliser. Donc, notamment, je suis sur le projet de faire un sac, mais plein d'autres choses aussi. Voilà. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.